Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Téléfoot consacré à la 26e journée du championnat de France de première division. Alors hier soir, il y avait une belle affiche à Louis II entre Monaco, 3e, certes en perte de vitesse hein, depuis la reprise d'après la trêve, qui reçoit une très belle équipe du Paris Saint-Germain qui est 2e derrière le leader Bordeaux. Un match justement révélateur pour les deux équipes. Est-ce que Paris est capable de confirmer à Monaco et puis est-ce que Monaco va enfin se relancer et montrer le vrai visage qu'il avait lorsqu'il était champion d'automne. Nous sommes allés hier soir donc à Louis II. La plaisanterie a assez duré pour Monaco avec beaucoup trop de points perdus depuis le mois de janvier. Beaucoup trop de matchs nuls sans but alors que pour Paris tout va bien, même si le dernier match nul à domicile face à Brest est venu un peu freiner l'élan parisien. Alors hier soir il était justement question de voir qui allait prendre le match à son compte et il est vrai que Monaco a largement dominé les débats, en tout cas dans le jeu, puisque là c'est Pilorget qui perd le ballon à la 15e minute, Krause qui élimine deux défenseurs parisiens, il frappe et Baratelli qui vient sauver le Paris Saint-Germain qui est très très mal rentré dans la rencontre. Et là on continue l'action dans sa continuité avec une longue possession monégasque. Benoît pour Gengini qui rejoue avec Benoît pour Bellone, étrangement seul sur le côté gauche. Centre de Bellone, tête de Krause, la transversale qui vient sauver un Paris Saint-Germain déjà en grande difficulté. Là, c'est Puel encore lui tout seul. Les Parisiens ne sont pas à la récupération du ballon. On continue à faire tourner le jeu côté monégasque. Et là, on a failli assister à un but casquette sur un renvoi de Pilorget contré par Krause. Mais plus de peur que de mal. Il faudra attendre la 32e minute pour voir Paris passer la moitié de terrain. Mais sur ce long ballon de Courriol pour Rocheteau, pas de quoi inquiéter Tori. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, Paris malheureusement va reprendre dans le même état d'esprit que le début de match. Beaucoup d'imprécisions. Là, c'est Gengini qui profite d'une erreur. Bellone est contré. L'arbitre siffle coup franc. Et là, au lieu d'attendre et de jouer le coup franc, on veut se précipiter côté monégasque. Et finalement, Paris arrivera à s'en sortir. Domination donc monégasque, mais stérile pour le moment face à un petit Paris Saint-Germain, mais qui aurait pu créer la surprise à l'heure de jeu. Puisque Rocheteau, bien servi par Courriol, fausse compagnie à la défense monégasque qui le frappe, mais ça n'est pas cadré. Dommage, car c'était pratiquement la seule occasion des Parisiens dans ce match. 66e minute, Krause qui gratifie le public de Louis II d'un retourné certes très inefficace et assez inutile. Alors c'est vrai que la saison dernière, c'est Ralf Hedström hein, qui tentait ce geste très souvent, mais là, Krause, à part pour les photographes, n'a pas vraiment brillé sur ce coup-là. Côté parisien, il y aura un coup franc à la 71e minute. Janvion qui récupère, qui veut servir Rocheteau, mais sans inquiétude pour Jean-Luc Ettori. Les minutes passent, hein, Monaco certes domine, Monaco met du rythme dans ce match, mais n'arrive toujours pas à marquer. Gengini pour Bellone, qui rejoue avec Gengini, qui redonne à Bellone. Les deux là s'entendent bien, centre, et c'est une reprise sur la transversale de Bijota. Quel dommage, car là, vraiment, Monaco méritait de marquer. Et en toute fin de rencontre, de la montagne qui était rentrée en jeu, c'est Bijota qui décale pour Recordier lui aussi qui était rentré. Et Recordier va se jouer de Janvion. Il centre une tête détournée sur le poteau. C'était une tête de Krause et on se dégage en catastrophe côté parisien. Score final 0-0. Monaco n'est pas heureux sur ce match car il a largement dominé une équipe de Paris qui ramène un point miraculeux de Monaco et pour Monaco, la série de non-victoires continue. Voilà, on l'a vu, un hein, des monégasques malheureux sur ce coup-là qui ont bien joué au football, qui ont produit du jeu, qui ont dominé les débats, mais au tableau d'affichage, toujours pas de victoire pour une équipe de Monaco ben, qui ne reprend surtout pas de points sur Paris, le deuxième, et non plus sur Bordeaux. Alors, Bordeaux, justement, le leader, lui, se déplaçait à Rouen. Rouen, une équipe un peu en difficulté sur cette deuxième partie de championnat, mais qui a su se ressaisir au mois de janvier en prenant des points et qui a quitté la place de relégable qu'elle occupait à la trêve. Donc Bordeaux avait une occasion de prendre des points hier soir à Robert Diochon. Pour le leader bordelais, irrésistible en ce moment, le déplacement à Rouen semblait une formalité. Mais Rouen, hier soir, a tenu la dragée haute au leader bordelais et ça va commencer dès le coup d'envoi. Alberto, regardez, longue transversale pour Redon. On pense que Batiston couvre le ballon. Finalement, il est pressé, il donne à Tussaud qui, lui, est pressé par Redon. Et Redon qui frappe, ça n'est pas cadré. Mais chaud d'alerte pour Bordeaux, qui pensait peut-être que ce début de match allait être une formalité.
Domination des Normands, ce début de rencontre. Monteil qui veut servir Malbeau. On dégage le ballon comme on peut côté bordelais. On est pressé. Beltramini qui dévie pour Amour. Et Amour qui va adresser un centre pour Tlemcen, mais c'est repoussé. Monteil qui frappe. Encore un ballon repoussé. Et Tlemcen qui frappe. C'est encore du billard. Grosse pressing des Rouennais. Et là, Tlemcen ne profite pas du ballon de Malbeau qui finit dans les gants du gardien bordelais de lâcher. Un début de rencontre surprenant hein, de Bordeaux qui est dominé. Et Bordeaux va se mettre à jouer au football à la 26e minute. Lacombe bien servi par Tigana touche le poteau. Ça aurait été quand même un hold-up si Bordeaux avait marqué. À la demi-heure de jeu, les Rouennais ne s'en laissent pas compter. Redon qui est au pressing. Tlemcen qui récupère, qui sert Monteil. Et Monteil qui va tenter sa chance, mais ça finit dans les gants de Delachet. À la 35e minute, Bordeaux va se créer une occasion. Girès qui sert Dieter Müller sur le côté gauche. Il va centrer un ballon qui est d'abord repoussé par la défense rouennaise. Mais Tigana récupère le ballon. Sert pour Girard. Fait bien tourner le ballon côté bordelais. Girard encore lui pour Tigana. Girès, Lacombe qui se retourne. Mais ça a frappé trop molle et Bensoussan capte le ballon. Mais en seconde période, il est vrai que Rouen a laissé beaucoup d'énergie en première mi-temps et va commencer à subir le jeu de manière assez nette. Dieter Müller sur le côté gauche, qui va centrer pour la tête de Zaigné et c'est la transversale qui sauve des Rouennais qui commencent à souffrir de plus en plus puisque Bordeaux s'installe désormais dans la rencontre. Les Bordelais qui ont souffert en première mi-temps mais qui là commencent à faire parler leur expérience. Et il s'en est fallu de peu pour que Bordeaux ouvre le score sur cette action. Le corner qui suivra tiré par Girès sur une tête de Lacombe et bien capté par Bensoussan. Bordelais qui commence à vraiment prendre le match en main. Et la 68e minute sur une tentative d'incursion rouennaise. Le ballon va partir de très loin. Batiston pour Tigana. Girès. Dieter Müller qui presse les défenseurs rouennais. Joue avec Lacombe pour Girès. On fait bien tourner. On redonne à Lacombe qui frappe et là Bensoussan. D'un arrêt réflexe, sauve encore son équipe. Bordeaux tente le tout pour le tout. La Lacombe n'arrivera pas à reprendre ce ballon. Les minutes passent et ça devient de plus en plus dur pour Rouen. Mais en toute fin de match, Rouen aurait pu avoir une occasion inespérée d'ouvrir le score. Beltramini, regardez qu'il va plus vite que Spetch. Mais malheureusement, il ne cadre pas alors qu'il pouvait être en mesure de tromper Delachet. Quel dommage. Score final 0-0. Les Rouennais qui, en tout cas, devront s'inspirer de ce genre de match pour assurer leur maintien en première division. Et pour Bordeaux, c'est un petit coup d'arrêt après 5 victoires consécutives. Saint-Étienne Auxerre, après un match calamiteux face à Bastia la semaine dernière, les Verts sont redevenus 18e et barragistes face à des Auxerrois qui, eux, sont en chasse pour la 4e place. Autrement dit, la dynamique semblait bourguignonne hier soir. Mais contre toute attente, ce sont les Verts qui vont dominer cette rencontre, en tout cas ce début de rencontre. L'Exiac 12e minute qui temporise, il attend le soutien de Ferry qui était titularisé hier soir. Il le sent et Diarté qui vient couper la trajectoire du ballon et devancer la sortie de Joël Batz et ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à Geoffroy Guichard à avoir des débuts de match un peu tonitruants des Verts et ça fait 1-0 face à une équipe d'Auxerre qui pour l'instant n'avait rien montré dans ce match. On le rappelle, Auxerre meilleure attaque du championnat. Mais la joie des Stéphanois va être de courte durée puisque sur l'engagement, nous suivons l'action dans sa continuité. Janas veut servir Zarmak dans un premier temps, mais le ballon va être récupéré par les Verts puis perdu parce que Zanon perd le ballon dans le rond central. Garande, il a vu Zarmak dans le dos de Moisan et là il vient ajuster Castaneda. Un but partout. Des Verts qui n'auront pas profité de leur avantage bien longtemps et Auxerre qui se remet dans un match qui semblait bien mal embarqué. Et Zarmak qui égalise. Mais la suite va être à l'avantage hein, des Verts. Curieusement, les Auxerrois vont s'arrêter de jouer au football. Là, c'est carreau de la tête, un ballon un peu détourné, sauvé un peu en catastrophe alors qu'il n'y avait pas de réel danger. Des Auxerrois qui ne sont pas aussi sereins qu'à l'habitude. Kupcevic, 36e minute. Il perd d'abord le ballon, mais il s'arrache et finalement oblige un mauvais renvoi. Wolf qui centre. Il veut chercher Olexiak, c'est renvoyé par la défense. Et Ferry qui va tenter sa chance de loin. Ballon flottant et qui frôle la cage de Joël Batz.
Des verts certains précis, mais des verts dominateurs. Juste avant la mi-temps, Diarte qui s'est bien battu hier soir, il a fait ce qu'il a pu. Diarte fait un petit festival technique, il donne à Robert Saab qui centre. On ne trouve pas Caro et Zanon qui tente sa chance. Et là, c'est le but pour les verts, on y a cru, mais oui, on a entendu le coup de tête de l'arbitre. Caro était bel et bien en position de hors-jeu, mais en tout cas, c'est bien Saint-Etienne qui domine cette rencontre face à une équipe d'Auxerre assez méconnaissable. Il faudra attendre l'heure de jeu et une tête sur un corner, une tête qui fait un frisson à Geoffroy Guichard. On le revoit sous un autre angle. Ça frôle la cage de Castaneda. Mais c'est bien Saint-Etienne qui domine, 67e minute. Caro bien lancé en profondeur, il va plus vite que Janas. Il centre et Diarte au point de pénalty qui rate un peu l'immanquable. Il mange la feuille de match, l'attaquant paraguayen, quel dommage. Car Saint-Etienne aurait largement mérité de marquer sur ce coup-là. On revoit un Caro qui fait un bon travail et Diarte qui ouvre trop son pied. Bat s'était battu. Et dans les arrêts de jeu de cette rencontre, Bellus lui aussi avait la balle de la victoire pour les Verts. Regardez, il est lancé dans le dos d'une défense auxerroise assez inquiétante hier soir, mais malheureusement il frappe. Et ça n'est pas du tout assez appuyé. Et on en reste là un partout. Auxerre peut être très heureux de ce résultat. Alors que pour Saint-Etienne, malheureusement, même si accrocher une équipe d'Auxerre est toujours positif dans la manière, les Verts auraient largement mérité de gagner et ne prennent pas les deux points de la victoire. Lens Strasbourg, deux équipes situées derrière les places européennes et qui malheureusement, à cause de leur irrégularité, ne se font presque plus trop d'illusions. Et il ne fallait pas arriver en retard hier soir à Bollard, puisque dès la quatrième minute de jeu, Kietzer Verkruis, il joue pour Brisson qui frappe et petit filet 1-0 pour des Lensois qui commencent de la meilleure des manières ce match face à des Strasbourgeois qui visiblement eux ne sont pas bien rentrés dans la rencontre. Et le scénario de ce match ensuite va être malheureusement assez prévisible. Des Strasbourgeois qui vont courir après le score face à des Lensois qui n'ont pas montré grand chose hier soir. Très mauvais dégagement de la défense. Là c'est Nielsen qui récupère. On est à la 11e minute. Il tente sa frappe de loin. C'était bien essayé. Mais ça n'est pas cadré. 28e minute, Crimo veut servir Piasecki pour Gemrich qui redonne à Crimo. Crimo qui se retourne et c'est le poteau qui vient sauver les Lensois. Ensuite, Gemrich viendra s'arracher sur cette occasion. Regardez, gros pressing. Et là, il commettra une faute que l'arbitre sanctionnera. Un peu de frustration côté strasbourgeois car c'est bien Strasbourg qui domine ce match mais malheureusement qui est déjà mené. Et on le sait. Courir après le score alors qu'on n'est pas très efficace comme ce le fut cas hier soir, c'est frustrant et là on commet des fautes. Et Strasbourg à la 40e minute continue de pousser, génère. Il va centrer, dans un premier temps c'est contré, il récupère le ballon. Il va rejouer avec Gemrich pour Piasecki qui va tenter sa chance. Et là, très belle parade de Jean-Pierre Campé. La réussite n'est pas du côté strasbourgeois. Et le corner qui va suivre va le démontrer. Sur cette tête de Bettencourt qui passe à côté, toujours 1-0. Et vraiment, Strasbourg mériterait largement de revenir dans la rencontre. La Sénis Seine à la 53e minute qui frappe, mais ça n'est pas assez fort pour inquiéter Jean-Pierre Tempet. Les Lensois sont dominés, mais ils vont mettre le nez à la fenêtre. 67e minute. Verkruis sur le côté qui a du champ. Il est finalement contré. Piet récupère. Il donne à Tlokinski qui va donner à Ogaza qui frappe et ça passe juste à côté de la cage de Dropsy. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas vu les Lensois à l'attaque. Et Strasbourg aura encore une balle d'égalisation. Bettencourt, regardez, il file tout seul au but mais il rate complètement le cadre alors qu'il avait des partenaires démarqués. Ce sera le tournant du match puisqu'à la 81e minute, contre le cours du jeu, sur une attaque avortée strasbourgeoise, Marsiglia lance Zuereb. Zuereb qui sert Ogaza. Ogaza joue avec Brisson et là il a vu Verkruis décaler. Et Verkruis resserre Brisson qui vient ajuster Dropsy. Ça fait 2-0. C'est très sévère pour Strasbourg. C'est surtout immérité. Et lance encore une fois, sans être convaincant, profite des largesses de son adversaire et s'impose 2-0. Score final pour Lens. Le succès est là, mais il faudra revoir la manière. Voici donc les résultats de cette 26e journée. Rouen-Bordeaux 0-0, le leader tenu en échec. Monaco-PSG, pas de vainqueur, 0-0, nous l'avons vu. Nantes qui patine à domicile face à Sochaux, 1 partout.
Mais Auxerre, lui, ne reprend pas de points sur les Nantais dans l'optique de la quatrième place, puisqu'on l'a vu, Auxerre et Saint-Étienne font match nul 1 partout. Toulouse-Nancy 1 à 0. Lens-Strasbourg 2 à 0, nous l'avons vu. Laval bat Nîmes, la lanterne rouge 1 à 0. Toulon, qui remporte un succès très important dans le bas de tableau face à Bastia. Metz-Lille 1 à 0, là aussi une victoire importante pour des Messins, alors que pour Lille, la situation reste préoccupante. Et pas de vainqueur dans le derby breton entre Brest et Rennes. Décidément, Brest lui aussi a beaucoup de mal à s'extirper du bas de tableau alors que Rennes reste 19e. Au classement, Bordeaux reste leader avec 40 points. Deuxième, Paris Saint-Germain, 38 points. Troisième, Monaco, 37 points. Quatrième, Nantes, 34 points. Cinquième, Auxerre, 31 points. Sixième, Lens qui fait la bonne opération de la soirée, mais les Lensois sont sixième avec 29 points, beaucoup de retard sur les places européennes. Septième, Toulouse qui fait une belle opération aussi au classement avec 28 points. Huitième, Strasbourg, 28 points. Neuvième, Bastia, 25 points. Dixième, Laval avec 24 points. Et ensuite, onzième, Sochaux à égalité de points avec Metz et Nancy avec 23 points. Quatorzième, Rouen avec 22 points à égalité de points avec Brest et Toulon. 17e, Lille, juste au-dessus de la place de barragiste avec 21 points, occupé par Saint-Étienne, 18e avec 20 points. 19e, Rennes avec 18 points. Et lanterne rouge décrochée depuis déjà fort longtemps, Nîmes avec 12 points. Tour Red Star, des Tourangeaux plus que jamais leaders qui ont écarté le Racing Paris il y a une semaine. C'est encore une belle occasion d'accentuer leur avance et de poursuivre leur cavalier seul face au Red Star. Effectivement, le Red Star sera la victime de la soirée. 9e minute sur un corner Tourangeau. C'est un but contre son camp, puisque c'est un défenseur du Red Star qui, bien malgré lui, met ce ballon au fond des filets. Mais c'est vrai que ces 10 premières minutes de jeu ont été largement dominées par Tours. On revoit sous un autre angle. Ça fait 1-0. Et Tours va faire le break 3 minutes plus tard. Deville-Chabrol qui file le ballon au pied. Il passe en revue les latéraux du Red Star et tranquillement, il déborde et vient adresser un caviar à Da Fonseca de la tête. Ça fait 2 à 0. Le Red Star ne répond déjà plus et à la 17e minute, le leader Tourangeau mène 2 à 0. À la demi-heure de jeu, Lorenzo qui joue avec Lestage, qui redonne à Lorenzo, ça paraît très facile. Et là, c'est un centre pour la tête de Da Fonseca, mais c'est dans les gants de Pérez, un des Tourangeaux qui domine largement ce match. 77e minute sur un corner. Jackie Verquiz qui donne à Dezerbi, dos au but, qui presse le ballon et qui frappe. Mais Pérez, le gardien du Red Star, vient éviter le pire. Grosse domination, on en reste là, 2 à 0. Une petite promenade de santé pour le leader Tourangeau. Et on se demande bien aujourd'hui par quel miracle Tours ne pourrait pas accéder à la première division en fin de saison. Guingamp Racing, justement, les Racingmen écartés par Tours la semaine dernière doivent absolument se reprendre. Et ça va démarrer très très fort à Guingamp puisque les visiteurs essayent de jouer dans le camp du Racing. Mais rapidement, la contre-attaque des Ciels et Blancs va se mettre en place. Mahmoud qui adresse un ballon à Ekeke. Ekeke qui fait admirer sa technique, qui rejoue avec Mahmoud qui poursuit son effort. Il redonne à Ekeke et là Ekeke va centrer au millimètre pour Auckland, étrangement seul. Où était la défense guingampaise, on se le demande. Et ça fait 1-0 dès la 9e minute de jeu. Et on va le voir que le Racing va faire cavalier seul dans ce match. L'équipe de Guingamp qui n'existera que très peu. À la 12e minute, Sagna veut servir Luisinho. Le ballon est repoussé et Landré de très très loin qui veut frapper. Mais c'est totalement hors cadre. 21e minute, Gamou qui sert Kérusoré. Il veut servir Luisinho, mais là tranquillement on se dégage côté Racingmen. Et regardez l'action dans sa continuité, on fait bien tourner le ballon. Un peu la passe à 10 côté Racingmen. La contre-attaque va être rondement menée. Auckland pour Pelletier, Madjer et Keke. Tout le monde touche le ballon. Et Keke qui rejoue avec Pelletier. Pelletier qui centre et Auckland de la tête et ça frôle la cage guingampaise. Il s'en est fallu deux coups. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Et à la 43e minute, cette domination du Racing va
trouver le second but sur un poteau rentrant de Auckland qui était en pivot. Frappe tendue. Et c'est le 2-0. Il ne se passera plus rien dans cette rencontre en seconde période. Les joueurs de Guingamp n'arriveront pas à créer le danger. Le Racing tranquillement va gérer son avantage. Score final 2-0. Le Racing se reprend bien et reste deuxième, certes très loin de Tours, mais reste second. Voilà, ce numéro de Téléfoot est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de Téléfoot. Ce coup franc, comment ils vont le jouer? Hop, voilà, et voilà, ça, 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 et, voilà. Et voilà, et voilà, le hat-trick, le coup du chapeau, le coup franc de Michel Platini, que les amoureux de Geoffroy Guichard avaient oublié, eh bien le voilà.